Merci de nous accueillir. En tous les cas, ça fait plaisir d'avoir une personne à partir de Conakry. Comment est la situation et comment vous vivez en ce moment aujourd'hui cette situation? Nous sommes dans cette période très très dure du moment en Guinée parce que nous avons le Covid-19 et nous sommes dans le confinement qui n'en est pas d'ailleurs réellement un confinement réel parce que la situation est précaire dans ce pays. Donc nous essayons de faire le maximum pour nous protéger contre la maladie. Actuellement, c'est ce qui se passe. Et parallèlement, dans le domaine politique, il y a suffisamment de problèmes aujourd'hui avec ceux qui nous gouvernent. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, s'il vous plaît? Je suis Honorable Cheikh Yahia Bari. J'ai été élu sous la bannière de l'Union des forces républicaines de l'ancien Premier ministre, M. Sidya Touré. J'ai été le président de la commission communication et de nouvelles technologies de l'information à l'Assemblée et pendant ces 6 dernières années. Très bien. Aujourd'hui, nous vivons une autre situation. Il y a un semblant d'assemblée qui est installée, mais qui n'en est pas une assemblée légitime. Et c'est là où je peux d'abord vous m'arrêter, en fait. Mais je suis le Alors, secrétaire. Je suis le secrétaire exécutif de l'EFR. on va commencer par la première question. Est-ce que vous pourriez nous faire une analyse de la gestion de la crise du Covid-19 par le gouvernement? Parce qu'on a vu une augmentation quand même des cas testés positifs. Et surtout aussi sur le milieu carcéral. Je crois qu'on a enregistré plus de 50 tests positifs. Effectivement, vous conviendrez avec nous depuis le 12. Nous avons 12 mars, je vais dire. Nous avons enregistré le premier cas. En République de Guinée, il y a eu des annonces pour empêcher qu'il y ait des élections le 22. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu écouter les messages de l'ensemble des institutions internationales, mais aussi de ceux-là qui sont à l'intérieur du pays. Finalement, ils ont organisé des élections qui ont contribué à contaminer à grande échelle la population. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 2 900 cas positifs et nous avons certes des guéris, mais on nous évite de nous informer le nombre de décès réels pour le cas parce qu'il y a beaucoup qui. Le problème sanitaire se pose en Guinée. Nous n'avons pas de réceptacle pour recevoir le maximum de personnes. Donc il y a beaucoup de cas contaminés qui sont dans les quartiers. Oui. Qui nous pose assez de problèmes. Et nous avions demandé, nous, en tant que UFR, le leader, demander à ce qu'il y ait des concessions au niveau des prisons, qu'il y ait la police soit au service de la population, qu'il y ait un comité scientifique pour nous permettre d'être informés de la procédure et de la manière dont on doit gérer la maladie. Malheureusement, cela a tardé de venir et la situation est précaire. Ils ont fait un plan de riposte qui a posé assez de problèmes, vous le savez, avec la Banque mondiale, qui a même rappelé la Guinée que la surfacturation au niveau de certaines demandes a posé assez de problèmes. Ça a retardé notre aide pour obtenir le soutien des institutions internationales. Cela dit, aujourd'hui, nous partons cas en cas sans un réel soutien de la communauté internationale. Parce que généralement, nous avons un gouvernement qui n'est pas suffisamment l'outil pour gérer les problèmes internes du pays, qui ne pense qu'à se faire des sous au niveau, faire de l'argent à eux-mêmes, pour ne pas dire au détriment de la population. Mais ils n'en ont pas fait assez, à votre avis, pour encore, pendant cette période, essayer de gagner du temps ou de, je sais pas, comment vous voyez ça? Parce qu'en fin de compte, il y a eu la nomination de monsieur Mamadi Kaba par décret de donc commissaire à la CENI. Donc c'est contesté aussi par le barreau d'opposition, je crois. Oui, effectivement, il passe cette période de Covid pour faire encore étaler leur projet. Parce que Alpha Condé n'a pas encore abdiqué sa volonté de toujours faire un troisième mandat. Et là,
ou bien faire passer quelqu'un qui lui serait favorable pour le reste du temps. Cela dit, en violation des lois de la République, ils ont nommé Mamadi Touba Kaba. Mamadi Touba Kaba, je dois vous rappeler qu'il est le directeur de cabinet du nouveau président de l'Assemblée. Alors qu'il est, que la loi est claire, c'est la société civile qui décide qui doit être à la CENI. Mais la société civile a deux compartiments. Il y a la société civile liée aux ONG et aux syndicats, mais aussi le barreau. C'est bien précis dans la loi que c'est les conditions par lesquelles un commissaire est élu. Si un commissaire décède ou doit quitter, c'est dans les mêmes conditions que le nouveau commissaire doit être désigné. Alors, et ici, c'est le barreau qui avait désigné Salifou Kébé. Aujourd'hui, on n'a pas voulu que le barreau désigne Salifou Kébé. Ils ont choisi un militant du parti qui est déjà connu par sa position face à cette nouvelle constitution qu'ils ont choisi encore pour être à la tête de la CENI. Alors rappelons que l'ancien président de la CENI, est-ce qu'il avait été contaminé par le Covid? Effectivement. Selon les informations reçues, vous savez, ils ont concocté un certain nombre d'observateurs. Toute la communauté internationale a refusé de participer à cette élection parce que ce n'est pas des élections propres et claires. L'OIF a démontré par A plus B que nous avons plus de 2 millions et quelques fictifs qui sont dans le fichier, hormis les doublons qui existent à hauteur de 2 millions et quelques encore. Nous avions eu un fichier pour une population de 12 millions d'habitants. On nous présente un fichier de 8 millions 300 et quelques électeurs. Plus de 68% de la population guinéenne est devenue électeur à la République. Quelque chose qui est incroyable. Donc nous avons, avec les cris, ils ont réduit ça à 7 millions 300. Jusqu'à présent, près de 60% de la population guinéenne est devenue à plus de 18 ans. Donc ça prouve à suffisance que le fichier n'était pas propre. Ils ont concocté des observateurs venus de quelques pays, notamment le Cameroun. Ces gens sont venus avec cette maladie et ils ont été contaminés à travers, selon les informations reçues, par ces observateurs venus de ces pays-là. Alors, parlons aussi de quelque chose d'important, parce qu'on a entendu dans la presse et puis sur les réseaux, on parle de kidnapping de responsables du FNDC et un terme assez lourd, c'est la déportation dans un camp militaire à Cancan. Où en sommes-nous avec cette affaire? Effectivement, il faut reconnaître que depuis que nous avons commencé à faire des manifestations pour empêcher qu'il y ait le changement de cette constitution, mais aussi la volonté d'organiser des élections sans la participation des partis majeurs. Je vais vous rappeler que nous avons deux grands partis majeurs qui avaient presque la moitié de l'Assemblée nationale, c'est l'UFDG et l'UFR. Depuis cela, le FNDC est formé, des manifestations montrant la mobilisation de la population guinéenne contre cette nouvelle constitution a amené le pouvoir à durcir sa position et à arrêter les militants du FNDC et en les amenant dans un camp de concentration. C'est le seul camp de concentration, j'ai dit, dans la sous-région aujourd'hui. Le camp de Soronconi, c'est à Cancan, où on kidnappe les personnes, on les envoie dans ces milieux-là, on les torture, certains sont morts. Il y a eu plus de 100 et quelques jeunes Guinéens qui ont été déportés de Conakry, à 600 km, pour être envoyés là dans des conditions inhumaines, dans ce camp de concentration. Alors, après des cris... Alors, des ONG et des institutions nationales, oui. Nous avons réussi à faire comprendre au monde qu'il y a un camp de concentration en Guinée. Ils ont tout dernièrement arrêté des cadres, non des moindres, du FNDC pour les déporter aussi à Cancan, mais cette fois-ci dans la prison centrale. Alors rappelons, et je vous demande justement, donc parmi les manifestants réprimés, on parle des forces de sécurité de la COIA. C'est ça? Oui, c'est la préfecture qui se trouve à 50 km de Conakry. C'est une préfecture où il y a eu la police et l'armée.
ont réprimé dans le sang la population guinéenne qui réclamait une meilleure manière de protéger la population contre cette pandémie. Alors, parlant notamment, aussi... il y a une femme, notamment, qu'ils ont tuée. Justement, on parle de Dubrica et Kamsar. On parle de plus de 7 morts, une femme, justement, et des dizaines de blessés par balle et des dégâts matériels importants pendant cette période toujours de Covid-19. Hein. Tout à fait. Donc, ça prouve à suffisance le comportement inhumain des gouvernants actuels à utiliser l'armée avec une force disproportionnée pour tuer dans le sang la population guinéenne et les toutes revendications. Ici, je vais vous dire, quelle que soit la manifestation, que ce soit pour l'électricité, on tue, pour des barrages, on tue, pour réclamer, des conditions de vie plus décentes, on tue, pour demander à ce que la loi soit respectée, on tue en Guinée aujourd'hui. Et c'est pourquoi la Guinée doit être regardée de près par les institutions internationales. Justement, parce qu'il y a des voix, donc dans le représentant du secrétaire général des Nations Unies, qui milite pour un report des présidentielles dans plusieurs pays africains. Et notamment, bien sûr, qu'en dites-vous pour la Guinée ? Je crois que la Guinée doit être revue autrement. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un qui a prouvé à suffisance que c'est un dictateur, le dernier des dictateurs nés de l'Afrique de l'Ouest. Il faudrait aujourd'hui nous aider à organiser des élections le plus rapidement que possible pour nous débarrasser de la personne. Je vais vous rappeler que les assassinats ciblés par le système Alpha Condé a tué plus que coronavirus en Guinée. Je vais dire que en 2 mois, du 14 à maintenant, nous avons plus de 200 morts par balle tués par Alpha Condé, à moins de 2 mois. Et le coronavirus n'a pas tué 40 personnes. Ouais. Donc, il utilise le coronavirus pour se maintenir au pouvoir et faire glisser son mandat. Et quelque chose qu'il faut réellement aider la Guinée à se sortir de cette affaire. Alors justement, parce que nous, on en a parlé la semaine dernière, la saisine de la CPI par la FNDC et les déclarations en appelant les Guinéens à rester à l'écoute, peut-on s'attendre à une reprise des manifestations pendant ce confinement ou alors après ce confinement? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport au futur de ces manifestations? Voilà, nous avons profité de cette période de Covid pour engager des actions au niveau international. C'est ce qui nous a amené à porter plainte au niveau de la CPI. Et j'avoue que ça nous aide beaucoup parce que ce même gouvernement a fait le signalement auprès de la CPI. Ça prouve à suffisance qu'en Guinée, on ne peut pas juger des affaires. Je vais vous rappeler que les tueries du 28 septembre 2009 restent pendant jusqu'à présent en République Guinée. Il n'y a pas eu de jugement. Donc, nous appelons vivement la CPI à se lever parce qu'ils défendent le monde et nous sommes signataires du traité de Rome pour aider les Guinéens à se protéger contre les dictateurs, ce système dictatorial qui existe en Guinée. Donc, nous disons que la plainte nous a aidés à ce niveau et nous préparons à l'interne. Nous espérons que cette maladie va bientôt terminer et finir en Guinée. Nous continuerons les manifestations pour demander le rétablissement de la constitution de 2010, mais aussi l'organisation des élections législatives, parce que nous n'avons pas des élections législatives aujourd'hui. C'est le seul pays au monde, je vais vous dire, Hachemine, c'est le seul pays au monde où un chef d'État se met contre l'ensemble des institutions du monde. Il défie l'ensemble des institutions du monde. Et j'ose croire que les institutions internationales ne vont pas laisser cela passer comme ça parce que ça servira de possibilité pour d'autres aussi à faire pareil. Alors précision, parce que vous avez utilisé deux termes. Vous avez parlé du côté de Moussa Alpha Condé que c'était un signalement pour nous, c'est le FNDC qui a fait ce signalement à travers les avocats. Et nous, même moi personnellement, j'ai posé la question au sein de l'Europe,
Est-ce qu'ils avaient reçu une plainte du côté de M. Alpha Condé, puisqu'on avait entendu parler que les ambassadeurs avaient porté des vidéos, on avait dit qu'ils avaient aussi dénoncé les agissements du FNDC et puis porté aussi atteinte à cette réputation du FNDC. Vous précisez bien, est-ce que vous avez entendu, vous, de votre côté, parler d'une plainte du côté de M. Alpha Condé? Parce que nous, on n'a pas encore reçu au niveau de l'Europe. Non, non, ce n'est pas une plainte, mais c'est une... je crois qu'ils ont envoyé un document, un mémo. Je ne sais pas si ça sert de plainte, mais c'est un document pour eux aussi démontrer que nous sommes responsables de quelques agissements à République. Mais tant mieux que le jugement se fasse, que les enquêtes se passent en Guinée. Aujourd'hui, s'ils ont pu faire cela, ça prouve à suffisance qu'à l'interne, que le travail d'enquête ne peut pas se faire par ceux qui sont en République de Guinée, ça ne peut se faire qu'avec d'autres personnes. Et comme la CPI, nous sommes signataires, nous estimons vivement que cette institution va rapidement amener des enquêteurs afin de clarifier la manière dont les choses se sont passées en République. Justement, comment vous expliquez que cette fois-ci, ça a été vraiment pris plus sérieusement? Est-ce que les signalements qui ont été portés par la FNDC sont précis et donc c'est vraiment ce terme de crime qui a été retenu, hein? Parce que maintenant, au niveau de la CPI, il doit y avoir une réaction. Oui, effectivement. Si vous m'entendez... Je vous entends. Nous apprécions ici ce travail fait par nos avocats, qui ont quand même porté très haut cette situation avec des précisions. Je veux dire que nous avons eu des films, des précisions où des militaires prennent des femmes comme boucliers humains. Nous avons vu où l'assassinat des jeunes gens. Je vais vous rappeler que les jeunes tués en moyenne sont entre 18 et 25 ans. Ouais. C'est pas des jeunes, c'est l'assassinat de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons la communauté internationale se lever parce qu'ils sont en train de tuer les jeunes à fleur de l'âge en République de Guinée. Et c'est ça la particularité. Violer des femmes, tuer des enfants, prendre les femmes comme boucliers humains et tuer même des femmes en grossesse. Ouais. La dernière manifestation, c'est ce qu'on a constaté. Et vous avez dans les vidéos où le militaire tire sur la personne n'est pas morte. Il vient tirer pour finir avec la personne. Oui, 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 oui. Ce sont des images que malheureusement nous avons vues, nous avons reçu des photos. Maintenant, une précision, parce qu'en fin de compte, on parle de sécurité, on parle d'armée, mais nous avons vu la réaction générale suite au décès du général Nuhu Thiam, l'ancien chef d'état-major des armées pendant la transition, qui a suscité beaucoup de réactions. Qu'en pensez-vous? Écoutez, pendant la transition, c'était le chef d'état-major général des armées. Je vais dire que Alpha Condé a décidé, dès après son arrivée au pouvoir, à museler l'armée et à effrayer tous ceux qui tenteraient peut-être d'essayer de le déstabiliser dans son pouvoir. C'est dans ce cadre-là, un faux coup d'état a été phagocyté le 19 juillet. Ah, oui. Par la suite, ils ont arrêté les Nuhu Thiam. Je rappelle qu'il a fait près de 6 ans à la prison, avec des conditions que nous connaissons. Mm-hmm. Et il est sorti malade, et il vient de mourir et tout tranquillement, en résidence surveillée, parce qu'il était tout libéré, mais il était sous surveillance. Voilà, sous surveillance, et il est mort. Et cela a suscité beaucoup de réactions au niveau de la population et démontré encore le comportement inhumain du pouvoir qui nous gère en République. Alors, rappelons bien sûr, on parle des instances internationales, on parle aussi certaines parties de l'Union africaine. Quel a été donc l'appel lancé par la FNDC à la communauté internationale suite aux élections controversées du 22 mars? Et malgré l'appel d'un consensus quasi unanime derrière cette dernière, je crois. Oui, effectivement.
J'avoue que la CEDEAO n'a pas envoyé d'observateurs, l'Union africaine, l'Union européenne non plus, et la francophonie qui participe depuis que nous sommes arrivés, depuis 2010, à nous aider à organiser des élections transparentes, crédibles à la République. La volonté d'Alpha Condé de gérer à lui seul et sans que quelqu'un ne se mêle de la manière dont il gère les élections en Guinée a empêché la communauté internationale non seulement de nous aider financièrement à organiser des élections, mais aussi à empêcher la communauté internationale à venir participer pour voir les élections se passent. Je veux dire que la communauté a appelé Alpha Condé pour demander qu'il y ait un consensus autour du fichier, autour des questions liées à la vie publique de notre pays, ce qu'il n'a pas voulu du tout, parce que voulant rester et continuer à rester au pouvoir. J'ai dit bien, aujourd'hui, je lancerai un appel à la communauté internationale de regarder la Guinée de près. Ils ont fait des alertes, ils ont demandé de faire des conseils, demandé à Alpha Condé de suivre des directives. Alpha a refusé totalement. Demandons à la communauté internationale de sévir par les moyens légaux qu'il a en sa possession afin d'empêcher que la dictature ne continue à République. Notamment, ça commencerait par des sanctions stipulées. Des personnes de haut rang qui sont là, il faut rappeler que toutes ces personnes ont leurs enfants et leurs familles en Europe. Oui. Ils ont des comptes bancaires en Europe. Il faudrait que par ce biais-là, qu'on essaye déjà et de faire en sorte que le pays s'en sorte désormais. Alors, en tous les cas, moi, tout ce que je peux dire, parce que vous avez touché un point sensible, on est à la fin du Ramadan, c'était la nuit du destin. Et par rapport à ça, on sait très bien que dans cette nuit du destin, on espère que tout le monde revient au bon sens, puisqu'on est à la veille d'un Aïd et d'une fête qui devrait rassembler. On sait que dans les conditions actuelles, ça va être difficile avec le Covid-19, que ces familles se rencontrent, vu le confinement et autres. Mais en tous les cas, dites-nous comment la communauté, je vais dire ces jeunes-là qui ont été touchés, voient en vous cet espoir, car vous parlez aussi d'un ancien Premier ministre, M. Sidya Touré, qui a fait ses preuves. Écoutez, voilà, c'est l'expérience. Aujourd'hui, nous avons eu un président qui a été soutenu par justement cette communauté internationale, qui n'a jamais travaillé dans sa vie, et qui a été quelqu'un qui a passé d'un pays à un autre, mais réellement n'a pas de carrière professionnelle réelle. Sidya Touré fait partie de cette équipe qui a développé l'économie ivoirienne. Je rappelle qu'il a été inspecteur général adjoint du Trésor de la Côte d'Ivoire, mais il est guinéen. Il a été directeur national de la Caisse de péréquation de la Côte d'Ivoire. Il a été le directeur de cabinet de Alassane Ouattara, dont il était un éminent collaborateur, fin connaisseur de l'administration, qui est venu en Guinée en 2 ans, a démontré par A plus B que la Guinée, que la pauvreté n'est pas une fatalité et qu'on pouvait s'en sortir. Ces deux gens restent toujours les meilleurs moments de la vie des concitoyens guinéens. Aujourd'hui, il est candidat et qui a voulu partager son expérience, aider le pays à sortir de là. Je vais rappeler que personnellement, M. Sidya Touré a essayé de créer des structures en République guinéenne pour créer de l'emploi. C'est le seul Guinéen politique qui a plus de 500 hectares de plantations de palmiers et de d'anacard en République guinéenne, qui cherche à le biais de la terre faire en sorte que les Guinéens s'en sortent. Parce que nous sommes un pays qui est potentiellement agricole. Alors, oui, excusez-moi. Et c'est là, nous estimons que nous pouvons créer de l'emploi le maximum possible. Les mines, c'est vrai, mais les mines ne peuvent pas toujours aider. Aujourd'hui, nous vivons une situation chaotique au niveau des mines. L'environnement est totalement dévasté parce qu'Alpha Condé a vendu plus de 800 permis miniers en République de Guinée où chacun fait à un coin. Sont en train de détruire l'environnement dans ce pays. Donc nous disons, Sidya a une expérience jamais égalée et qui est là. Je finis. Allô? Monsieur?
Allô? Oui, dans l'arène politique, qu'ils soient de l'opposition, ou même... Oui? Non, je disais, ça se coupait, ça se coupait. Oui. Je voulais finir par dire... Allô? Oui, là, maintenant c'est bon. Ouais, mais là, il n'y a pas de vidéo, là. OK. Je voulais finir par dire que tous ceux qui sont dans l'arène politique au plus haut niveau aujourd'hui ont été des gens qui ont été dépistés par Sidya Touré, qui l'a mis dans un gouvernement et qui a prouvé, notamment Seydou d'Alain Diallo, Ousmane Kaba, lui-même Kassori Fofana, qui est actuel Premier ministre, étaient des gens qui ont été dépistés par Sidya Touré quand il est arrivé et qu'il a formé un gouvernement de jeunes cadres qui ont quand même, sous sa bannière, travaillé et démontré que nous pouvons sortir de l'affaire. Voilà, donc nous allons retenir ce mot important qui en ce moment nous le disons. C'est aussi grâce à la communauté et à la diaspora africaine qui est ici en Europe que demain les changements seront faits aussi en Afrique, car à travers cette communauté, il y a une communication internationale. Et comme l'a dit une grande dame ces derniers jours, l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. Et c'est vrai que si on mettait les bonnes personnes au bon endroit, eh bien nos enfants, non seulement ils seraient fiers, mais comme on a vu les gens qui s'enfuyaient de l'Afrique vers l'Europe repartir sur les mêmes barques vers l'Afrique, eh bien nous avons d'espoir que cette fois-ci, après ce Covid-19 qui est une pandémie catastrophique pour la planète, mais aussi pour l'économie mondiale, eh bien nous allons retrouver une Afrique jeune, moderne et nouvelle. Voilà, merci. Un mot de la fin? Allô, allô? Oui. Le mot de la Non, fin? mais, donc, j'ai dit, nous avons besoin de cette communauté internationale comme elle a besoin de nous. Mais ce que nous devons faire ensemble, c'est de faire en sorte que la démocratie s'incruste, la démocratie s'installe profondément en République. Pourquoi? Et en Afrique, et partout d'ailleurs. Parce que c'est le système le moins mauvais et qui permettra aux fils et filles de ces pays de l'Afrique de travailler dans leur pays. Ça nous évitera ce qu'on appelle cette immigration clandestine qui aujourd'hui fatigue l'Europe. C'est le fait que les dirigeants africains ne sont pas des bons dirigeants. Et il faudrait faire en sorte que cela soit afin de réduire l'inégalité, mais aussi faire en sorte que les fils de cette Afrique-là restent en Afrique pour travailler. Rappelons le salaire moyen en Guinée, monsieur. Écoutez, le salaire moyen en Guinée, c'est entre, comment dirais-je, 40 euros, 50 euros. Eh bien, 40, sachez 50 euros. que le coût en prison, c'est 150 euros par personne. Et sachez que le coût ici des migrants, eh bien, ce sont des milliards et des milliards par rapport au nombre de haraga, comme on appelle. Voilà. Tout à fait. On va en rester là. Merci. Je vous souhaite en tous les cas d'avance un Aïd Moubarak, Inch'Allah, comme on dit. On souhaite aussi que cette communauté internationale ouvre un peu plus les yeux sur ces pays qui ont un potentiel extraordinaire et une jeunesse extraordinaire. Et rappelons aussi que nous sommes une plateforme de paix. D'ailleurs, nous avons célébré le 16 mai la journée du vivre ensemble en paix. Et c'est là que Euromag aussi insiste sur d'essayer de résoudre les situations catastrophiques que nous avons connues en Afrique, où le terrorisme a sévi. Malheureusement aussi, aujourd'hui, la pauvreté sévit, la malaria sévit, toutes ces maladies subsahariennes incroyables. Mais surtout, 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 ce que vous avez dit, c'est cette jeunesse qu'on essaie de la garder en Afrique, car c'est là son potentiel et ce n'est nulle part ailleurs. Voilà, merci beaucoup. Ben, c'était la journée, on va dire aujourd'hui, de l'Ascension pour nos amis chrétiens. On leur souhaite aussi une bonne fête avant la Pentecôte. Et sachant que le vivre ensemble, c'est aussi avec l'arbre. Nous avons choisi comme symbole l'arbre, mais expliquez-nous le symbole de votre parti. C'est l'adaba, c'est les deux épis, c'est le retour à la terre, parce que c'est la terre nourricière de la Guinée. Nous avons 80% d'une population paysanne et nous avons
des ressources naturelles incroyables. Je rappelle que la Guinée est le château d'eau, comme on le dit, d'Afrique occidentale, où beaucoup de fleuves prennent leur source en Guinée. Je dis bien que c'est un scandale géologique et nous pensons qu'avec la terre, nous pouvons sortir la Guinée de l'ornière. Et c'est pourquoi la Daba, travailler la terre, nourrir ses enfants. Eh bien, rappelons donc les poumons de la terre, l'Amazonie, qui est dans une catastrophe extraordinaire, mais que, voilà, le château d'eau de l'Afrique qui est là. Car nous aussi, en Afrique, vous savez, en dessous du Sahara, il y a des centaines et des centaines d'années d'eau, mais malheureusement inexploitées. Alors que l'on voit chez nos amis dans le Moyen-Orient, dans un désert, ils l'ont rendu un paradis. Allez, je vous dis au revoir et puis j'espère que tout le monde se porte bien malgré ce Covid-19 et à très très bientôt pour de bonnes nouvelles par rapport à la Guinée. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.